Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la quête spéciale Dédale. Donc, je vais faire un chemin. Vous l'avez dit que je ferai au moins un chemin. Pour ce chemin, je vais partir avec cette équipe-là. Je pense que je vais faire la plupart de tous les combats, enfin, au moins la moitié des combats avec Ghost, je pense. Je garde Vaudou pour le boss et j'ai pris Corvus pour Iceman et j'ai pris Void. Void, pourquoi? Parce que je viens de le choper, donc j'ai envie de le jouer un petit peu. Après, même si j'ai pas forcément l'utilité, je pense en soi, mais bon. Donc voilà, on va partir ça-dessus. Et du coup, on va passer en premier combat, on va passer par Archangel. Et derrière, on enchaînera avec. Avec Emma Frost. Donc ce qui est bien avec cette borne là, c'est que j'ai du risque et donc du coup tous les debuffs que je reçois, ils se transforment en furie pour Ghost. Donc ce qui est bien du coup, ça va permettre de faire des SP2 beaucoup 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 plus forts. Allez, c'est parti, on se lance. J'espère que ça va bien se passer. La pression. Hop, SP2, 15 000, 15 000 et 21 000. Hop, hop. Bien, voilà. 33 000, ah, ça c'est bon ça. C'est du lourd. J'ai un petit bug. Hop, on commence. 18 000, 18. Et c'est parti. Hop, SP1. Et voilà. Premier combat. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, comme à la fin il lance pas un blocable, mais comme les coups sont manqués, du coup ça. C'est comme si la borne pour moi n'existait pas. Donc c'est plutôt intéressant. On va partir sur Emma Frost. Honnêtement, Emma Frost. Ça risque d'être compliqué. Je pense. Compliqué, mais on peut le faire. On peut le faire. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il va falloir jouer beaucoup sur les critiques. C'est parti. Oh merde. Je suis bourré de sens. Ah putain, j'ai pas fait gaffe au buff. Bon, erreur d'inattention. Pas beaucoup de soins. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, c'est ton spé. Allez, vas-y. Oh là là, aussi la lenteur.
Et merde, tu vois le sens. Oh là là. Putain, deux erreurs bêtes. On est pas censé rire comme ça. Putain, deux erreurs, mais débile, 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 quoi. Oh mais non! Ah, la Dex qui passe pas. J'la pensais pas aussi chiante. Tiens, mais normalement je la passe sans problème. Je vais mettre un peu plus de soin. Ah, décidément. Décidément, décidément. Vas-y, putain. Ah merde. Je vais du mauvais côté. On va y arriver. On va y arriver. Est-ce que j'ai chaud ici? Ah, faut encore que je m'entraîne avec elle. Bon, allez, on va finir là. Allez.
Vraiment déçu de ce combat. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment déçu. C'est pas normal. Hein. C'est pas normal. J'ai dû merder quand même deux fois, mais. Ouais, j'ai merdé quand même quelques fois. Hein. Alors. Ok, il augmente. Ok. 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 Donc, en gros. Dis bien que c'est pour ça. C'est que normalement je suis pas censé me faire toucher. Donc normalement je devrais mettre des bons dégâts, les dégâts qu'il faut quoi. Oula. Pas très agressif hein. Crache-le. C'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On aurait pu quasiment le one shot. Je suis un peu déçu. Ouais, je manque clairement de dégâts, hein. R4. Ouais, vivement qu'il soit R5. Wow. Oh.
démarrage transpect. Voilà. Et voilà. Ah, je suis déçu d'avoir tenu là-dessus. Je suis déçu. Parce que franchement, plus parce que je me suis fait bloquer contre le mur. C'est vraiment dommage, hein. Je suis dégoûté. Ouais, c'est parti. On va partir sur le Iceman maintenant. Normalement, le Iceman ne devrait pas avoir de grands problèmes en soi. Est-ce que je fais Corvus ou pas? Que je fais Corvus, la grande question. Je suis bien avec la Ghost, hein. Allez, on va, ça va peut-être durer un peu plus longtemps avec Corvus, hein. Vous savez quoi, je suis bien avec Ghost, on va continuer avec Ghost, tant pis. Normalement, en plus avec Ghost, je prends pas la vague de froid, si j'ai pas de bêtises. Alors, je fais pas des super critiques avec avec ma fantôme, mais au moins, merde, putain, il est parculé, ça a pas glissé. Ah, ça a pas glissé, j'ai les mains moites. Ah, fais chier, putain. J'ai les mains moites, il fait très chaud ici, donc des longs combats. J'ai vite très très chaud. J'ai esquivé deux fois de loupé. Pas bon ça. Ah, fait chier là. Là, je dis vraiment une réa pour rien. Putain, j'ai chaud. J'ai très chaud. Voilà, ça, vraiment, c'est un one shot, hein. Ça, vraiment, c'est un one shot, mais de loin. Hein. Oh là là, je suis très très dégoûté. Je suis vraiment, vraiment dégoûté.
Et on va partir sur... La guillotine. On va voir ces bornes, je les connais pas. J'ai pas de check avant. J'ai pas de check. Immunité des buffs, ok. Après, c'est fait de pompe. Ok, donc ça c'est bon. Ok. Bah, donc, du coup, le vol ne sert à rien. Bah, du coup, on va tout faire avec fantôme. Hein. C'est le personnage couteau suisse. C'est vrai que c'est ça. Ah, il a fallu, ouais. Ah, va être chiant. Il va lui faire cracher son pouvoir. Ça va être très chiant. Enfin, il aurait fallu quelque chose qui contrôle le pouvoir. Je sens que forcément avec des debuffs, je sens que on va galérer. Ouais, c'est le risque. Hein. C'est le risque. Pas dire qu'on a fait un mauvais combat, mais. C'est le risque. C'est le risque. Bon, je crois que c'est pas non plus le. Pourtant, c'est... je crois que c'est un des plus simples quand on regarde les autres lignes. Gestion super, ça ne m'arrange pas ça. Oh mais non, ça part. Ah, putain. Ça a pas glissé. Putain, ça c'est une mort mais bête quoi, deux fois la même mort quoi. Il essuie un peu l'écran, mes doigts. Il fait le chien aussi. Là, vous voyez pas trop en vidéo, mais en fait, je suis en nage.
Je suis en nage. Avec la chair du PC et la chair de dehors, je suis en nage. Ce que je veux que tu fasses. Ah, putain. Là, c'est ma faute. Là, c'est ma faute. On va y aller, hein. On va aller jusqu'au bout, hein. Et quand je pense qu'après je vais enchaîner avec la variante d'Ultron, ça va être beau. Ça va être du joli. Voilà, 3% ayant fini. Hein. On finit, oui. Voilà. Merci Ghost. Merci Ghost. Le champion. Attention. Il joue pas des masses, lui. Contre lui, donc je sais pas trop quoi m'attendre. J'ai juste joué en incollectable, qui est bien pincé. Puis il y avait aussi une quête qui était venue pour 7 jours, je crois, qui aussi était en champion. Pareil, Odoo était aussi très bien passé. Prions pour que ce soit pareil. Prions pour que ce soit pareil. C'est parti. Évidemment. Toutou, crache pas ton spé. Pas beaucoup de
Ah merde. Ah, pendant le combo. Je sens que lui aussi il va m'énerver. Pathétique. J'ai pas de soin. Donc, on va y aller qu'avec le RAC 40%. Hein. J'ai que ça. J'ai eu peur. Ah, là c'est bon. Ça c'est bon. Eh merde, je suis trop longtemps à côté de lui! Ah! Putain, on avait réussi à en mettre une, c'était parfait! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour dominer classe 5? Bon, je pense que j'ai pris un des chemins les plus faciles. Chance ni au timing. Ça c'est joli. Ah, j'ai pas fait gaffe, je sais pas si c'est de ma faute là. Enfin, je sais pas si j'ai mis le spé pendant. Si c'est arrivé au moment où j'ai fait ma spé. Enfin, si j'ai pas eu de chance ou si j'ai merdé. J'ai pas réussi à savoir là. Oh, putain, chier. Putain, avec sa bande aussi qui est étourdie là à côté de lui. Là. Allez, ah, parfait, ah, c'est bon. Attends. Ouais, parfait, pile au bon moment ça. C'est bon ça. Oh putain, non! Oh, sérieux? Comment c'est arrivé au moment là? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, 20 000. 29 000.
7%. Voilà. Voilà, c'est mal. Sérieux, putain. Impossible. Il me prend que des. Bon, je dois retenir là. Putain, c'est possible, j'en ai marre, je prends que des étourdissements. Donc, on passe. Enfin, pour 4%, quoi, honnêtement. J'ai des boules. Hein. 4%. Putain, c'est à cause de. C'est à cause de cette. Fichu borne là qui est étourdi là. Non. Oh, j'ai une chance. Putain, ça a été compliqué la fin avec cette borne de d'étourdissement là. Ça a été compliqué. Mais bon, on est content, on a gagné des éclairs 5 étoiles et la fin 10 étoiles. Donc c'est aussi très bien, je suis content. Ça a été périlleux, un peu déçu quand même. Je vous cache pas, un peu déçu. Beaucoup, il y a eu des bons combats. Et il y a eu des combats où ça a été techniquement j'ai merdé. Techniquement j'ai merdé, honnêtement. Et la chaleur a aussi un peu eu raison de moi sur la fin. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire un petit break et puis je continuerai sur la quête d'Ultron. La variante un peu plus tard et que je posterai aussi également. Donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Et je pense pas, à mon avis, continuer d'autres passages. C'était juste histoire de vous montrer un peu le chemin qui pour moi était le plus simple avec les personnages que j'avais. Donc voilà, je vous dis salut et à la prochaine.